J'arrive avec une formule et une autre saveur. Parce que ma femme devrait saint. Rappelez-vous de cet terme. La crème à glace est exclusive car les kiwis sont vrais, alors il y a les pépites. Comme dans le cul de ta meuf, les pépites. Tu vois pas ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème du rap même, c'est que les mecs des maisons de disques, en fait, ils ont peur des mecs en indé. Ah oui. En fait, ils ont peur de rapper avec eux parce qu'ils se disent peut-être. Imagine le public s'aperçoit qu'en fait c'est eux les vrais. Et nous on est dans une merde, parce que nous on est que les, on est que les caricatures de ces mecs-là. Ouais, en fait. C'est vrai, et ouais. Donc moi je me dis, pourquoi que nos games à chaque fois c'est la même salade, c'est dès qu'ils entendent Alino va fabriquer la saison, truc, ils sont dans les studios, il va parler d'homme, ça se trompe. Donc hier on était le 13, vers 23h et des poussières. Donc toi Vesti, j'ai 9 cartes et c'est Bagot de Saint-Denis. Les chefs cookies, vous avez tenté de me tomber dessus. On est d'accord. J'étais tout seul. On est d'accord. Toi, Vesti, la sécu de Omar et Doucet, qui fait appel à d'autres sécu pour régler tes problèmes, je t'ai senti pousser des couilles puisque t'étais avec des gens. Ça t'a pas suffi pour venir me voir, de passer par quelqu'un de chez moi. Là, maintenant, tu viens avec la mule pour tenter de faire quelque chose. Ok. Toi la mule de Saint-Denis, toi c'est Bago, t'as voulu montrer aux gens que t'étais quelqu'un, parce que t'étais avec des gens. Il y a un truc que je comprends pas. T'as croisé Keimer, t'as déjà Keimer, c'est entre toi et moi. Là je comprends pas, je te vois, t'es avec des gens, tu t'excites. Donc vous avez tenté casser la voiture, faire votre cinéma. Donc il était logique. Et que je rentre dans votre véhicule. C'était logique ça. Mais maintenant, je vais vous dire un truc. Quand vous voulez faire un truc, faites-le bien, faites-le pas du tout. Dans tout ça, retenez juste que moi, j'étais tout seul. Retenez juste que j'étais tout seul. On va voir. Et tu parlais de Dossé, mais est-ce que tu peux nous éclaircir tout ça, bon ? Nous, on veut savoir, nous. Dossé. Alors, en fait, Dossé, lui, c'est un cas un peu particulier parce que... En vrai, moi, le personnage en lui-même... T'as vu... Si Dossé, il faisait pas de rap... J'aurais pas su que Dossé existait, déjà pour commencer, parce que oui. C'est pas quelqu'un de la région parisienne. Oui, oui. Après, maintenant, j'écoute un peu la musique, j'écoute un peu les dires. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Quand t'as un mec, à un moment donné, tu rappes la rue, moi, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. J'essaie de comprendre, j'essaie de me renseigner, j'essaie de savoir. Quand un exemple, tu vas me dire que, je sais pas, moi, t'as... Quel exemple que je peux prendre? T'as un avion... T'as une cargaison de cocaïne qui arrive dans l'avion. Tu vois des trucs, tu vois. J'essaie de. Après, peut-être que tu vas me dire que ouais, non mais les mecs ils narratent. Peut-être que tu vas me dire que c'est des bons narrateurs. Parce que... Mais moi, il y a des choses que j'essaie de comprendre quand tu vas. Quand par exemple, tu vas me dire que t'as. Qu'est-ce qu'il a dit ? T'as un 9 mm chargé, prêt en découte sous le siège. Parce que moi, personnellement, je sais que si c'est vrai, c'est que toi, t'es le seul qui te fait pas contrôler dans une journée. T'as compris ? C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de choses que je me demande. T'as dit, non mais tu rigoles, mais moi, il y a beaucoup de questions que je me pose, tu vois. C'est-à-dire que j'essaie de réfléchir. Après, pourquoi aujourd'hui, peut-être que toi, tu vas me dire « Ouais, mais non, mais Alino, tout le monde fait ça dans le rap, tout ça. » Je vais te dire « Oui. » Mais moi, pour moi, les mecs qui font ça et qui vivent pas ça, pour moi, ils sont fous. Parce que moi, aujourd'hui, je respecte les mecs comme Orelsan. Moi, je trouve que les mecs comme Orelsan, ils sont hardcore quand ils rappent. Parce que frère, le mec, quand il te raconte des trucs, « Ah frère, c'est tellement la vraie vie, mon frère. » Et moi, je trouve ça... C'est... Moi, personnellement, ce mec-là, il me fait trembler des genoux quand je l'écoute. Parce qu'il rappe ce qu'il dit. Moi, un mec qui va venir me raconter, je sais pas, moi, il cite au moins 15 noms d'autres cultures dans ses morceaux, il parle d'armes, de coke, que ta meuf, elle avait mon blas sur le bout de la langue avant-hier, nana. En gros, t'aimes pas le nouveau rap, quoi. Non, c'est même pas... Mais est-ce que c'est pas... Je sais pas, est-ce qu'il faut pas regarder ces rappeurs-là comme un film, en fait? Genre, c'est comme... Tu vois ce que je veux dire? C'est oui, comme... Dans ce cas-là, si tu veux qu'on voit le rap comme un film... Alors, explique-moi comment ça se fait que un indépendant, il peut pas rapper avec ces gens-là dans ce cas. Si c'est un film alors, parce qu'un film, on sait tous comment ça se termine. Donc on va le regarder, on sait que il a été écrit comme ça, donc on sait que c'est qu'un film, ça va se finir à la fin. Au bout d'une heure douze, le film est terminé. Mais eux, ils continuent. Après 3 minutes 43, le prochain morceau, c'est notre salade pareil encore. C'est encore nous raconter encore un autre truc. Donc faut qu'on m'explique. Le conseil que je peux vous donner en tant que gangster, sortant du sujet, c'est que si l'homosexualité vous attire autant,
Enculez votre femme. Y'a pas de problème.